de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr Harry Kane, l'anglais, et le meilleur gardien, on vient d'apprendre que c'était Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges belges, qui ont eux aussi magnifiquement accroché une troisième place hier en s'imposant contre l'Angleterre. France, Croatie, Belgique, voilà le podium de cette Coupe du Monde, la 21e de l'histoire. Et les médailles maintenant, les médailles pour les arbitres, pour Monsieur Pitana. L'homme qui sponsorise cet os, mais surtout l'homme qui porte la chance, on se souviendra longtemps aux bleus. Il les a arbitrés deux fois dans cette Coupe du Monde et deux fois les bleus. Juste après, mais il se passe toujours des choses dans des moments d'orage, vous savez, il se passe toujours des choses. Juste avant l'orage, Bob Pibon à Mexico avait sauté à 8m90, juste avant l'orage. Là, c'est maintenant. On en parlait. Mais non, voilà. L'orage n'allait pas. Mais le principal effet, de toute façon. C'est pas très grave. Non. Il ne faut pas laisser glisser la coupe. Il ne faut pas faire cette équipe. On parle de l'avoir allumé des bonnes loups pour les deux ans qui viennent. Allez. Allô. De l'avoir se qualifier. Allez, mise.